Salut les stations fréquences, les boss 1351 tous de la part de Dandy 33, 14 Delta Romeo 33, 14 Kilomac 3301, opérateur Rémi, pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. J'ai comme dans l'idée que je suis un peu trop ponctuel, moi, à chaque fois. Sur les stations fréquences pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Oui, le Roger Bip, les bosses 1351 de la part de Dandy 33 QTH, Sainte-Colombe, du côté de Castillon-la-Bataille, Saint-Émilion. Sur les stations fréquences pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Les 73 Eric. Comment va-t-il hier? Passez une bonne journée. Ah, impeccable! Vas-y, dis-moi. Ah oui, les paramètres d'hier soir. Ouais, c'est ça, mais tout. J'ai reçu un peu de l'aide, là, de Yannick, et puis il m'a bien conseillé, et puis j'ai réussi, j'ai trouvé, tout est programmé, ça fonctionne bien. Ok, donc c'était quoi exactement? Qu'est-ce que tu n'avais pas fait pour que ça fonctionne? Les paramétrages sont très pointus, tu vois, tu peux le paramétrer comme il faut. D'accord, tu peux donner des détails? Non? Oh, des détails non, parce que chaque logiciel est différent. Mais bon, j'ai compris le principe du fonctionnement du numérique maintenant, donc ça va, je pourrais me retrouver. Ok, ouais, puis j'imagine que tu as dû prendre des notes sur un papier, histoire de pouvoir retrouver le jour où. Non, non, j'ai pas pris de notes, mais je me suis sauvegardé le fichier. J'ai fait un fichier de sauvegarde et puis comme ça, il n'y a pas de problème. Ok. Attends, les 73 Cyril, là, sur le chat du WebSDR. Alors, là, à propos du QSO, là, d'hier soir, il y a pas mal de messages de part et d'autre sur les réseaux sociaux, forums, sur YouTube. Et à chaque fois, c'est pareil, tout le monde aimerait que ben, tous les QSO soient comme hier soir. Alors donc là, visiblement, hier soir, on a fait très fort. Je sais pas, mais même dans la qualité des QSO, et même j'ai même vu des messages concernant Thierry, et ils ont même même ses réponses ont été appréciées. Ben oui, bien sûr, il n'y a pas de soucis, hein. Je ne vois pas pourquoi. Ouais, non, mais c'est ça, c'est bien passé, c'est ça.
Non, mais c'est vrai que là, je redeviens un peu sérieux. Tout le monde a très bien apprécié justement le QSO d'hier soir. Et on nous demande de faire la même chose à chaque fois. Alors ça va pas être évident. Mais bon, on va essayer, on va essayer. Parce que c'est vrai qu'hier soir, on a mélangé la CB avec du PMR, avec du radioamateur, avec de l'informatique. Bon, là, je fais simple, hein. Donc le tout mélangé plus du blabla, le tout mélangé a fait que ben, tout le monde, j'ai pas vu un seul message négatif là de part et d'autre. Oui, ben, on verra bien. Déjà là, on est en fréquence. Ça va peut-être faire venir. Je crois qu'il y en a un qui est en train de pointer son nez là. Je le vois là sous le web SDR. Hachi. Ok, je pense que tu m'as retourné le micro. J'ai un peu de QRM là ce soir et les 73, Ludovic. Là, j'ai un peu de QRM ce soir et là, tu m'arrives juste limite, hein, au point que j'ai hésité un petit peu là quand tu as repassé le micro, si c'était bien à moi qui ai repassé le micro. Ah oui! Ok, alors Ludovic, ce soir il nous faut, à partir de maintenant, il nous faut faire un QSO à chaque fois de la même qualité que hier soir. Voilà ce qu'on nous demande de part et d'autre là au niveau des messages à propos de hier soir. Comme d'habitude, il y a quoi, il y a 50% de...
Ah ok, les 73 Fredo, j'étais pas sûr. Rentrer au bercail, voilà. Mais je prends en cours, hein, je ne sais pas trop qui c'est qui a, j'ai entendu Eric, 73, Ludo, 73, Rémi, 73 à toi aussi, puis pardonnez-moi si j'oublie les autres derrière qui sont présents, que je n'ai pas encore entendu, voilà. Mais je prends en cours, donc, comme je disais, je n'ai pas de quoi vous parler, à part mon travaux. Ouais, moi aussi, j'ai eu droit là pendant 15 jours, là, il y a 15 jours, je crois, ouais. Gros travaux à la maison, mais c'est bon ça, le travaux à la maison. Attends, Ludo, pardon. Ok, merci du retour. Et ouais, j'ai vu quelques photos passer, cassage des murs, etc. Bon. J'ai regardé là, sur le modèle là, qui est de Pocket, là, qui était... Excusez-moi, c'est pas un baofeng, c'est un radiodétique chez toi. C'est le radiodétique, c'est pas le baofeng, voilà. Alors, il ressemble au baofeng, mais c'est la marque, c'est radiodétique. Et c'est le RV5R, voilà. RD5R, pardon, voilà. Oui, alors pour te répondre, le numérique, bon, déjà pour Fredo, ça y est, c'est bon. Hein. Tout est en place, tout est réglé, tout est trouvé, c'est bon, ça fonctionne. Le numérique, c'est-à-dire que ça passe ou ça passe pas. Alors si ça passe pas, t'as pas de son, mais tu vois quand même que tu reçois quelque chose. T'as une LED qui te le signale, voilà. Et si t'es hors portée ou un truc comme ça. Mais ou ça me passe ou ça passe pas, hein, t'as pas d'intermédiaire. Hein. C'est pas comme le baofeng où t'as les parasites et que... Non, c'est ou tout l'un ou tout l'autre, voilà. Pour répondre à ta question, Ludo. Ah, ok, merci. Moi, ce que je me demandais, c'était si ça faisait un peu comme le téléphone portable, tu sais, comme je te disais, quand la transmission est pas forcément super qualité, il y a des moments ça passe, des moments ça passe pas, et en fait, le téléphone, il essaye d'inventer les morceaux de la transmission qui lui a manqué. Donc, pour ça fait des voix métalliques dans l'oreille, parce que c'est... Il y a des algorithmes dans le téléphone qui essayent d'extrapoler en fait les morceaux qui manquent. Donc c'est ça ma question, savoir s'il y avait un dispositif comme ça pour essayer de refabriquer les morceaux de données qui manqueraient, ou si ça coupait purement et simplement. D'après ce que tu me dis, ça coupe purement et simplement. Ok, pour ça, puis j'ai bien compris le système de la petite LED qui dit qu'il y a quelque chose mais pas suffisamment fort. D'accord, ça marche. C'est rigolo. Bah, écoute, à l'occasion de la prochaine visite, je serais curieux de voir la bestiole en fonctionnement. Parce que j'ai vu les vidéos YouTube, et c'est plus rigolo de voir en vrai. Quoi, donc, voilà. Toi, Rémi. T'as juste une seconde, Rémi, je te termine. Ouais, par contre, tu as pas comme sur l'analogique le squatch, tu sais, le bruit du squatch là. Tu sais, quand tu mets le squat, tu règles les niveaux, tu as 2 à 5, et même si tu le mets sur 0, comme le baofeng ou l'analogique, tu as le bruit de bande, le souffle. Que là, même si tu le mets sur 0, tu n'as rien du tout en numérique. Hein. C'est, tu n'as pas ce problème de squat, donc tu n'as aucun bruit ambiant derrière. Voilà. Allez, vas-y, Rémi. Ok, mais justement, c'est la question que j'ai envie de te poser.
c'est sur l'analogique, bon, on utilise le Squatch par exemple, mais est-ce que sur le numérique, tu as également ce bouton Squatch, ou alors du fait que ce soit en numérique, il n'y en a pas besoin? Alors t'as le bouton Squatch, pareil, avec 5 ou 8 niveaux, je ne sais plus, de réglage par rapport au baofeng, où il n'y en a que 5, si ma mémoire est bonne, ou 6, je ne sais plus. Mais plus tu le mets bas, plus tu ton niveau de réception, plus tu es proche du zéro et meilleur quoi, par rapport au signal que tu reçois. Donc faut pas le mettre trop haut. Moi je le mets à 1 comme je faisais pour l'analogique. Et puis ça va très bien, voilà. Et tu te dis, t'as pas ce bruit de bande que quand t'appuies, tu sais, sur le petit bouton du côté là pour écouter t'entendais le bruit là, ça faisait. Mais ça tu l'as pas en numérique, en analogique, en numérique, tu l'as plus tout ça, c'est fini. Ok, donc t'as pas de QRM, t'as rien de tout ça. Comme je vois là par exemple, là la minute même, là j'ai bien 3 QRM. Et avec ça, là ça m'est un peu compliqué d'écouter de mon côté. Là pour le coup, vu qu'il m'arrive à son niveau de 5, là ouais, ouais je crois que c'est ça. Là je t'entendrai d'une façon limpide. C'est côté QRM, est-ce que c'est quand même sujet QRM numérique ou pas du tout? En numérique, c'est nickel. Hein. En plus, je te dis, t'as pas un bruit extérieur, t'as pas de parasite. Non, ou ça passe ou ça passe pas. Hein. C'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. Allez, à toi, Fredo. Ouais, merci Eric. Ouais, je confirme. Hein, c'est du tout ou rien, 1-0. Voilà, c'est du binaire. C'est donc du numérique. Moi, j'en écoute souvent du numérique. Et soit ça décode, soit ça décode pas. T'as pas de comme le téléphone les bugs là, ou alors comme sur la TNT, moi je l'ai souvent ici dans ma campagne, l'image qui se pixelise là, qui fait un peu rappeler quand on était en aérien les petits chut, voilà là c'est du tout ou rien, c'est vraiment du tout ou rien. Alors peut-être il y a des postes qui font peut-être comme Ludo disait des je sais pas comment on dit là, il l'a dit tout à l'heure, je pourrais pas le répéter, il doit y avoir peut-être quelques postes qui ont ce phénomène, mais en majorité, voilà, c'est du tout ou rien. Et c'est vrai que c'est une qualité sonore tout autre, hein, sans QRM, la clarté. Bon, des fois, suivant les postes, il y a peut-être un phénomène de voix qui est un peu, comment dirais-je, un peu robotisé, si je peux dire ça comme ça. Il y a un phénomène de, je sais pas comment, ouais, on dirait une voix de robot un peu. Attends, qu'est-ce que tu veux? Bisous, c'est au lit. Ouais. Allez, bonne nuit. Vas-y. Et pas à 3 heures la lumière. Hein. Ouais. 5 minutes, après tu dors. Ouais, excusez-moi. la grande qui va au lit. Oui, je disais, ouais, il y a un phénomène de voix un peu robot. Qui peut être gênant des fois de temps en temps, mais bon on s'y habitue à la longue. Parce que moi le numérique ça fait maintenant bien longtemps que j'en écoute ici sur la région, même si c'est pas trop actif, il y en a quand même. Donc je m'y suis habitué, on s'y fait quoi. Là je vois aussi sur l'icône que j'ai là, le 7003 est un décamétrique SDR, et on ressent encore un petit peu, on sent ce phénomène là de voix un peu métallique, robotisé un petit peu, là on sent que c'est du numérique quoi, tout simplement, hein. c'est pas comme l'analogique, on sent cette différence. Au premier abord j'étais un petit peu déçu, mais bon on s'y fait parce que quand même sur le 7003 c'est pas hyper extravagant non plus, donc ça va, mais on le ressent. Ça peut être un peu gênant ou déroutant pour certains OM, j'avoue. Au suivant. Allez, ben je reprends. Ben c'est le problème des effets de compression, c'est-à-dire que pour que la transmission se fasse bien, je ne sais pas quel est le débit en termes d'octets par seconde qu'il y a sur ces transmissions numériques, du type des stars, etc. Mais suivant le débit qui est disponible, on ne peut pas envoyer forcément des gros paquets de données, des gros volumes de données, donc on est obligé
hein. Je ne sais pas si c'est paramétrable au niveau du poste, s'il y a des paramètres pour gérer la, justement le taux de compression pour avoir une qualité audio un peu meilleure ou un peu moins bonne en fonction des conditions, je ne sais pas. Voilà, à l'occasion, si quelqu'un peut me répondre. Ou si c'est fixé dans la norme et puis point barre, c'est comme ça quoi. Après, il y a tout ce qui est traitement de signal sur les postes, tout ce qui est nettoyage de QRM, tout ça, sera là pour les noise blankers hein, qu'on a tout ce qui s'appelle DNR là, sur les postes Yazoo, enfin, c'est du traitement de signal, donc du débruitage qui se fait avec un algorithme. Donc, dans le poste, il y a ce qui s'appelle un DSP, c'est un composant spécialisé pour faire ce travail-là. Et certains DSP ne sont pas forcément de très très bonne qualité. Ils échantillonnent le signal audio pas très bien, donc forcément ça donne lieu à des déformations et ça fait ce bruit-là. Voilà, je pourrais vous en dire plus, mais bon, je ne sais pas si c'est trop la peine de rentrer plus dans les détails techniques. Mais ce qu'on peut avoir là est critique dans le traitement de l'audio pour avoir une bonne sortie à la fin. Je fais tourner, allez Rémi. Ok, justement, tiens, puisqu'on parle de numérique et tout ça, il y a une question là qui me titille. Est-ce qu'on peut faire aussi du DX en numérique ou le DX est vraiment le pour l'analogique? Puisque, bon, effectivement, le numérique, le gros problème du numérique, c'est que quand la réception commence à baisser, ben, ça coupe net. Alors, pour faire des contacts DX, là, je vois pas trop comment, quoi. Alors qu'en analogique, aussi infime qu'on puisse recevoir, on continue à recevoir quand même. Alors, je sais pas, voilà la question. Est-ce qu'en numérique, le DX est aussi possible? Alors, je vais répondre. Oui, c'est tout à fait possible. J'espère que je tourne une personne, je lâche. Ok, c'est bon. Ouais, c'est tout à fait possible. Tant qu'il y a la propague et que le signal arrive à passer, ça marche, hein, que ce soit de l'analogique ou numérique, tant que le signal passe, c'est cool. Après, l'analogique, faut savoir que l'oreille humaine étant bien aiguisée, on arrive à distinguer un signal quand même dans le lointain. En numérique, ça passerait pas forcément, quoi. Mais bon, ça c'est pas forcément du DX, faut différencier. Le DX, c'est faire un contact lointain. On peut faire un contact lointain avec un super signal s'il y a une bonne propagation. Hein, donc voilà. Par contre, si on fait un contact avec des conditions mauvaises, que ce soit du local ou du DX, bon voilà, forcément, en analogique, l'oreille humaine sera peut-être plus adéquate pour entendre un truc à travers les QRM et essayer de déchiffrer un peu que le numérique. Par contre, par rapport à ça, j'ai regardé une vidéo intéressante sur un mec qui fait sur YouTube, qui fait des vidéos là sur pas mal de choses. C'est un radioamateur canadien. Sa chaîne c'est Electro Bidouilleur. Il y a plein de trucs super intéressants et il a fait une vidéo sur les différents modes de modulation, notamment les modes de modulation utilisés en numérique. Et il s'est pas étendu sur le sujet, donc j'en sais pas grand chose, mais il avait l'air de dire qu'il y a certains modes de modulation qui permettent de s'en sortir très très bien, même pour les modes numériques, j'entends, même dans des cas de conditions de réception dégueulasses, même avec un fort bruit ou donc bon, il y a des trucs à creuser là-dedans, mais la réponse est oui, à mon avis. Voilà, je passe le micro à Eric pour qu'il nous donne son avis. Salut Eric. Oui, et puis de toute façon, donc c'est quand même quelque chose qui reste de proximité à la base. Parce que bon, c'est quand même, comme je dis, à la base, c'est les radioamateurs qui s'en servent beaucoup. Mais eux, ils utilisent les relais, ils utilisent comme en analogique des relais, et comme en numérique, il y a des relais, hein, voilà. Donc moi, j'en ai un qui est pas loin de chez nous, là, qui est à Pessac, Pessac, je crois, si ma mémoire est bonne. Et ça, tu discutes. Après, c'est des comment ils appellent ça, des world groups, c'est des chiffres, c'est le TG99 qu'on utilise, mais après tu peux te connecter en national, en international. Bon, je parle pour les radioamateurs, hein, parce que nous on n'a pas le droit de mettre sur ces fréquences, mais tu peux écouter. Voilà, j'ai retourné sur Fredo, il en connaît un petit peu plus que moi.
antenne on va dire comme un pôle DX, pardon, de propagation, de DX, c'est exactement pareil, sauf que la limite n'est pas pareil, puisque c'est tout ou rien. À niveau de distance, on est peut-être un peu plus, c'est peut-être un peu plus réduit, parce que je crois que par exemple le tien là, il fait du 5 watts, un truc comme ça dans le genre, donc voilà, comme tu dis, c'est tout de proximité, quoi. C'est des tout qui s'arrêtent un toki-woki, ou après, forcément, des postes qui balancent 45 watts, 50 watts, un truc comme ça. Mais ça, c'est pour les radiomoteurs, tout à fait, c'est ça. C'est pour les radiomoteurs qui, en plus, après, par la suite, peuvent se connecter via relais, via passerelle, et faire donc, le tour du monde avec l'Internet. Voilà, c'est tout est dans la programmation et dans le réglage, comme tu as pu subir, Eric, pour mettre au point ton truc là, ton petit appareil. Ouais. C'est intéressant, c'est autre chose, hein. Ça reste de la radio, mais c'est autre chose. Voilà. Moi, j'accroche pas trop, parce que bon, c'est vrai que c'est relativement compliqué. Moi déjà je vois ici rien qu'avec la clé USB là, pour pouvoir décoder, j'en ai chié pendant je ne saurais pas te dire combien de temps, mais au moins plus d'un mois en faisant ça un petit peu de temps en temps. Ça m'a pris bien un mois pour pouvoir réussir à décoder de tout ce qui était numérique. En réception, après en émission, ça a trop de choses aussi. Je connais le principe, mais bon, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, voilà. Il faut être vraiment plus que passionné, et puis surtout ouvert à ce genre de technologie. Attends, Ludo. Pour te répondre, Frélo, comme tu dis, c'est vrai que c'est le pointillé, c'est pointu pour les réglages. Mais tu vois, maintenant que j'ai compris le principe, pour n'importe quel poste, pour n'importe quel autre logiciel, la base reste la même. Donc le tout, c'est que j'avais pas compris le principe du fonctionnement, tu vois. Parce que c'est pas du tout une programmation dans la logique. Mais maintenant que j'ai compris comment il faut faire, la base reste la même et je pourrais le programmer sur n'importe quel poste. J'ai compris la base principe, je sais comment ça fonctionne. Parce que c'est quand même assez spécifique, voilà. Excusez-moi, pas du tout. Attends, je reprends aussi. C'est comme si, si tu apprenais à conduire, hein, tu passes ton permis, puis une fois que tu l'as fait, tu l'as. C'est un peu le même principe. À la base, je comprends tout à fait. Comme moi, étant donné que je ne me suis pas trop aventuré sur la partie, on va dire, émission, c'est quelque chose d'inconnu pour moi. Donc je trouve ça un peu compliqué et peut-être un peu rebutant pour le premier. Mais après, c'est vrai, une fois que tu l'as fait, c'est comme les gosses, c'est pareil. Hein. Toi, tu l'as fait une fois, oui, c'est bon, ouais. Attends, Ludo. Ok, je suis fini. C'est marrant, parce que je réfléchissais, je regardais le document de film. Je suis content, en fait, ça ressemble vachement à ma téléphonie mobile, parce que si tu réfléchis bien, ça. Voilà, que tu mets en parallèle de n'importe quel logiciel
qui fait tourner une clé SDR, genre GQNX pour toi sur Linux ou SDR sur Windows, voilà. Ok, merci pour le retour. Heureusement que j'ai l'oreillette là dans, enfoncée dans le fond de l'oreille, parce que là j'aurais vraiment du mal à suivre le QSO là, de mon côté. Hein. Donc là par rapport au numérique, bon pour ma part, moi je suis plutôt, je suis même carrément plus pour l'analogique, hein, avec ses petits craquements, ses petits travers, ceci, cela. Mais la question que j'ai envie de poser là maintenant, puisque la propague influence également le numérique apparemment, est-ce que la propague influence de la même manière le numérique que l'analogique ? Ben évidemment, Rémi, évidemment, hein, puisque ça passe par les ondes, donc les ondes subissent le même phénomène, que ce soit sur la VHF, UHF, la HF, hein, toutes les ondes, hein. Mais peut-être qu'après, par rapport au type de poste, par rapport à la puissance, tout ça, tu auras plus de fluctuations peut-être. Enfin, je sais pas comment le dire, je pense que Ludo va bien expliquer, mais pour moi, à mon avis, c'est exactement pareil. Hein. Mais surtout le micro à Ludo, parce qu'il a bien expliqué, il parle bien le Ludo. Il parle bien. Je vais essayer de bien parler. Oui, bien sûr, ça ne change rien. De toute façon, la propagation de l'onde, elle ne change pas en fonction de la modulation. Hein. Les caractéristiques de propagation vont changer en fonction de la fréquence. Le plus flagrant, c'est que sur les très très hautes fréquences, quand on arrive au gigahertz, l'onde a tendance à être absorbée par l'environnement, notamment par la flotte, hein, c'est comme ça que ça marche dans le micro-ondes. Quand on arrive sur des ordres de grandeur du type gigahertz, voilà, ça a ces comportements-là. Après, il y a des... la propagation, c'est pas pareil. Je suis pas suffisamment expert, mais... Je sais que les couches atmosphériques ne réagissent pas pareil suivant la fréquence, donc là, c'est pour ça que la propagation n'est pas forcément la même sur le 20 mètres, sur le 40 mètres, sur ceci, c'est ça. Donc c'est la fréquence essentiellement. Après, le mode de modulation, de toute façon, c'est un signal, hein. Quel qu'il soit, de toute façon, l'onde est la même, elle est mise à la même fréquence. Enfin, sauf en FM, où justement c'est une modulation de fréquence, mais bon, la variation est très faible. On change pas de bande, hein, donc c'est pareil. Donc les phénomènes de propagation sont les mêmes. Donc de toute façon, Yannick par exemple, il disait au début il était tout seul en numérique, il arrivait à faire de temps en temps des QSO avec des OM sur Nantes quand la propagation était là. Donc on est sur la même chose avec très peu de puissance quand le propag est là, ça va loin. J'espère que j'ai répondu à la question et puis j'ai bien parlé. Ah oui, que c'est beau. Bon, alors là, Rémi, si t'as pas compris, là... Ah, je suis trois coups. Alors, ok, je vais présenter ça autrement. Non, mais bon, je t'ai écouté, il n'y a pas de problème. Tout en étant sur la même fréquence, suivant la couche atmosphérique, je sais plus, j'ai plus les lettres en tête là que ça touche, ça va être soit les modes BLU ou AMFM qui sont privilégiés. Donc, est-ce que pour le numérique, il y a effectivement cette petite différence, cette petite influence là aussi, ou non, pas du tout. Parce que bon, c'est vrai qu'on a tous remarqué que quand la propague est en BLU, elle peut être aussi en AMFM ou pas du tout en AMFM, et vice versa. Est-ce que là c'est pareil aussi pour le numérique ou je sais pas, je sais pas comment approfondir ma question car étant complètement dans l'ignorance dans le domaine du numérique. Alors moi, pour moi, c'est faux, hein, dire que il y a la M ou la FM ou la BLU qui sont privilégiées. Hein, pour moi, c'est faux. Enfin, voilà. Après, je sais pas où t'as lu ça, mais c'est la même chose, hein. Les ondes sont les mêmes, hein. Quelle que soit la façon dont c'est modulé, les ondes sont les mêmes. Surtout que la BLU, c'est juste une variante de la M, hein. C'est la M
d'autres choses, je sais qu'il y a d'autres trucs. L'onde se propage de la même manière, sans être emmerdé par ce qu'on fait passer dedans finalement. Effectivement, ce qu'on peut expérimenter, ce qu'on peut observer expérimentalement, voilà, c'est qu'en SM, quand le signal baisse, ça a tendance à crachoter un peu vite. Donc ça dégrade les possibilités. Alors, on peut avoir l'impression que la propag est moins bonne en FM qu'en DLU, mais non, c'est juste que c'est le mode de modulation qui est comme ça. Il va être un peu plus sensible à une baisse de signal. Et puis la DLU par rapport à la M, on écoute une bande plus étroite. Donc on ramasse moins de caca. Après je ne saurais pas l'expliquer techniquement, mais c'est vrai que quand on écoute la BLU, c'est plus clair, c'est plus propre. Mais ça tient au fait qu'on ratisse moins large. Quoi. C'est essentiellement ça. Donc il n'y a rien à voir avec la façon dont l'onde est modulée. Hein. J'espère que tout le monde est OK pour le. On comprend bien ce que c'est que moduler un signal. Quelle que soit la façon, ça ne change rien. Mais après, chaque mode ayant ses caractéristiques, ils sont plus ou moins sensibles au QRM, ils sont plus ou moins faciles à discerner dans le brouhaha, dans le bruit fond. Si tu fais par exemple du morph, hein, du CW, forcément, c'est beaucoup plus facile de distinguer un bip bip dans le bruit que de distinguer une voix humaine. Donc on va avoir l'impression, on va dire que expérimentalement le morph ça s'apporte plus loin que la voix, la phonie. Mais les ondes elles vont pas plus loin, hein. C'est pareil, hein, elles vont pas plus loin en morph qu'en phonie, c'est juste que l'oreille, on a plus de facilité à discerner le signal dans le bruit qu'une voix. Quoi. Une voix c'est plus complexe, hein. Le morph c'est juste une. C'est juste un pic d'une tonalité, donc on peut enclencher un tas de filtres pour récupérer que cette tonalité, pour éliminer tous les autres bruits autour. C'est pour ça que le mode CW est beaucoup plus étroit en bande que la BLU, ça c'est de la BLU d'ailleurs je crois, le CW, je ne sais plus. Bref, c'est juste un petit signal comme ça. C'est un peu long, j'espère que c'est clair. À toi ami. Ok, bon, visiblement, j'avais une connerie à sortir ce soir. Voilà, ça y est, c'est fait. Hachi. Pourtant, il me semblait bien qu'au niveau propag, il y avait parfois des différences. Pourtant, c'est curieux, parce que plusieurs fois, j'ai remarqué que je l'entendais aléatoirement plus, soit en BLU ou en AM, FM. Je dois me faire des idées. Hein. Alors, c'est pas grave, retour. Qui est différente après. Et c'est pour ça d'ailleurs que si tu prends deux stations qui sont au même endroit, suivant comment est l'onde de sol, tu la recevras plus facilement en directive ou en BLU, ou en vertical. Suivant l'onde de sol, comment elle se déplace, ça fonctionne avec les différentes couches. Voilà. Et c'est pour ça qu'on parle de couche E, couche F et tout ça. C'est par rapport à l'onde de sol, voilà. Et juste pour info, une chose que j'ai oublié de préciser qui est bien, c'est que sur le petit pocket, là, vous avez la double réception comme dans le baofan normal, l'analogique. Mais là, c'est bien parce que tu peux écouter sur un côté l'analogique et l'autre côté le numérique. Ça, c'est pas mal, quoi. Voilà, retour Ludo. Ouais, merci du retour. Je confirme ce que dit Eric. Après, il y a effectivement l'onde radio, quand elle est émise avec une antenne, aussi directive soit-elle, elle est quand même un peu émise dans tout un tas de directions. Donc il y a, on va prendre le cas le plus simple de l'antenne verticale. Hein. Il y a des ondes qui partent vers une partie de l'onde qui part vers le ciel, l'autre qui va vers le sol. Il arrive qu'il y ait des rebonds, etc. Et il arrive même des moments qu'un rebond arrive à annuler ce qu'on entend, ce que l'onde de sol permet de transmettre. Donc il y a même des moments où tu peux ne pas entendre une station.
opposé s'annule, et voilà. Donc bon, il y a des phénomènes comme ça. Voilà. Je sais pas, Fredo, si tu as quelque chose à ajouter, je sais pas. Non, pas vraiment. C'est un peu trop scientifique pour moi, là, après. Mais non, il y a une part de vrai. Hein. Moi, je m'en suis rendu compte aussi, rien que le fait d'avoir changé d'antenne, le phénomène a changé. Je suis plus ouvert maintenant sur l'Est que je ne l'étais avant, avec l'antron. La Game Master tire peut-être un peu plus à plat que l'antron. Donc voilà, j'ai moins ce phénomène-là par rapport à l'Est, là où il y a justement la Garonne et la grosse côte, là, donc ce qui fait que le rebond devait tomber sûrement par là. Et donc j'avais tout le côté Est, du côté d'Ami par exemple, où j'avais un peu plus de mal à entendre, que maintenant j'ai gagné pratiquement un peu plus d'un point sur ce côté-là. Et c'est flagrant, hein, c'est quand même un point, donc c'est énorme. Rien que niveau signal, voilà, bon, radio ça change un petit peu forcément, mais niveau signal, j'ai gagné un peu plus d'un point, tout ce qui est de l'autre côté, le côté Est. Dit sûrement au fameux rebond machin par rapport à la longue côte là qu'on a qui nous sépare entre le rive droite et le rive gauche. Voilà, donc je pense qu'il y a une part de vrai dans ce que vous dites là. Moi je comprends pas tout, mais bon, il y a j'en comprends une partie et j'arrive à assimiler quand même, par exemple là quand j'ai changé l'antenne et que j'ai mis la Game Master à prouver ce phénomène. Ouais. Mais j'étais surtout en train de vous écouter là et à régler mon poste. Vous avez dit ces putains de radio, les gars, c'est impressionnant. J'arrive à vous sortir comme si. Enfin, je suis en train de montrer à ma femme là. J'ai sorti mon casque, je vous ai mis. J'ai mis le son sur mes enceintes là au bureau. C'est même mieux que le téléphone. C'est impressionnant. La voix que vous avez, c'est monstrueux, quoi. C'est monstrueux. Alors déjà, je me régalais pas mal avec mon 480 là et son fameux DSP. Là, sur le 7003, c'est on sent vraiment que c'est un cran au-dessus. C'est presque magique, quoi. Ça me donne la chair de poule à la limite. Hein. Au début, j'étais un peu, il y a une semaine de ça, un peu déçu, parce que bon, mais forcément, il y a tout un tas de réglages à faire. C'était l'inconnu, et voilà. Mais là, j'affine au fur et à mesure des jours là qui passent. Et bon, déjà, hier soir, j'ai fait un bon truc. Mais là, ce soir, c'est vraiment... Alors avec le pet dans le nez que j'ai, j'ai mes oreilles là qui... Enfin, vous m'avez compris. Non, c'est un régal, voilà. À toi, Eric. C'est les bulles qui te font ça, quoi. Là, je plaisante, voilà. Ouais, pour revenir aux ondes, au rebond que tu parlais, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais je sais qu'il y a certaines radioamateurs qui se servent pour, suivant les endroits où ils se trouvent, qui se servent de faire un rebond avec les ondes sur la Lune pour pouvoir aller de l'autre côté de la Terre et pour pouvoir communiquer. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler de ça. Tu me diras ça, Ludo, et puis tu feras tourner. Ouais, j'en ai entendu parler même bien avant de reprendre la suivi. Je trouve ça énorme. Je pense que je sais pas après sur quelle bande de fréquence ils utilisent pour faire ça. J'ai tendance à penser que c'est des bandes assez hautes. Je crois qu'il y a une bande radioamateur autour de 5 gigas, un truc comme ça. Je serais pas étonné que ce soit des bandes comme ça qui ont. Bref, voilà. Mais ouais, j'ai entendu parler, c'est kiffant. Je pense que c'est vraiment. Quand il y arrive, je pense que tu dois vraiment être satisfait, quoi. Toi, Rémi. Tu m'étonnes, ouais, j'ai déjà vu ça là, plusieurs fois justement là sur internet. J'aimerais bien voir ça en pratique. Parce que alors là tu te dis là quand même, là c'est fort. Hein. Mais c'est fort, c'est surtout qu'il y a putain de matos derrière. Hein. Ah oui, tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que. Alors après, j'ai pas plus de détails que ça. Mais ils s'en servent beaucoup quand ils font des expéditions, j'ai vu ça aussi. Je ne sais plus sur quel île c'était là, ils s'étaient retrouvés, ils avaient été débarqués pendant je ne sais plus combien de temps avec le bateau et tout, et ils étaient je ne sais pas combien, il y avait un peu sur différentes bandes, et il y en avait qui faisaient ça justement, avec une antenne, comme une antenne parabolique ou un truc comme ça, ça ressemble à ça, et ils l'envoyaient, et puis ils faisaient rebondir sur la Lune pour établir des contacts de l'autre côté de la Terre.
Ah, c'est vrai que c'est magnifique de voir tout ça. Voilà, voilà. D'après ce que j'ai compris, Ludo, alors tu as t'as investi dans la même antenne que moi, alors la Game Master. Fredo, pardon. Ouais, Eric, affirmatif, ouais, ouais. J'en avais marre de mon emprunt, là. J'avais des doutes, là, sur la dernière que j'avais acquérie, là, il y a, bon, je sais plus combien de temps. J'avais des doutes là-dessus, étant donné que j'ai pas d'analyseur, ni de, je sais pas quoi, pour contrôler quoi que ce soit. Et puis que c'était une demi-onde, et que je me suis dit, bon, il fallait peut-être qu'un jour je passe en 5/8e, et que ça serait normalement un plus, et puis que j'avais l'argent à dépenser. Je me suis acheté une... ouais, j'ai changé pour une Game Master, parce qu'on trouve que ça maintenant sur Internet en 5/8e. On trouve plus la Montova, avec Tor 4000 sur ma cheminée, ma cheminée n'aurait pas apprécié. Et puis comme j'ai pas encore monté mon pylône, enfin voilà, j'avais choisi celle-là par son faible poids. Et puis bon voilà, c'est la 5/8e en fibre de verre. Hein. J'ai opté pour ça. C'est un bon rapport qualité-prix. J'en avais déjà monté une il y a peut-être 3 ans de ça. J'en avais eu bon souvenir. J'ai retenté le coup et j'en suis pas déçu. Il n'y a pas une énorme différence avec l'entron. Je me suis dit, j'ai peut-être gagné un point sur le côté est. Après, tout le reste, c'est franchement pareil. Aucune différence, mais sur le côté est, ça m'a fait une petite ouverture. Voilà, c'est tout ce que j'ai constaté. Et après, si ce que je constate aussi, c'est que ça fait joli sur le toit, parce que c'est quand même bien plus haut hein, qu'une entron. Ça fait peut-être presque plus de 2,50 m de plus, je crois. Donc, ça vacille. Hein. Quand il y a des coups de vent, tu la vois, elle se balance, quoi. Elle se balance plus que bien, même. Elle danse bien là-haut. C'est joli à regarder. Mais bon, je pense que ça va devenir un choc. Hein. Ça reste souple. Ça vacille. Mais bon, voilà, quoi. C'est comme l'entron, ça faisait pareil. Hein. Ça faisait peut-être, je sais pas combien d'années qu'elle était là-haut. Celle-là, elle fera pareil. Hein. Et puis, j'avais surtout choisi celle-là parce que, c'est bêtement une Scooby-Doo hein, améliorée, mais elle a la self rouge là qui fait choc ballon, voilà, je cherche le terme, parce que moi avec l'entron j'avais ce putain de phénomène de retour à chef là avec mon installation à la con là, que cette antenne m'a vachement réduit, voilà, j'ai beaucoup moins de retour à chef, voire pratiquement même plus. Je m'entends plus dans mes enceintes, enfin voilà, j'ai plus ces phénomènes bizarroïdes que j'avais là à chaque fois dans mon installation sono. Donc ça fait je l'ai eu peut-être 15 jours avant l'ICOM, donc ça doit faire presque un mois que je l'ai sur le toit, voilà. Par contre, tu as remarqué, c'est un dipôle qui est chargé au centre aussi. C'est le vertical mais avec le dipôle chargé au centre. Ouais, c'est ce qui est marqué sur la description, voilà, un dipôle bon, chargé au centre, je sais pas trop ce que ça veut dire. Il y a un condensateur au centre, voilà, qui fait que j'en sais rien du tout. Mais c'est une Scooby-Doo, ni plus ni moins, sauf qu'elle a ce fameux condensateur là, et peut-être aussi le, comment on appelle ça, le truc en bas là, le pour accorder, comment ils appellent ça, le... un petit bout de coax là d'une certaine longueur qui fait que pour adapter l'impédance, je sais plus trop quoi là. Ah, qui est à l'intérieur de l'antenne, qui fait un retour. Ouais, il y a un petit bout de peut-être une 30 ou 40 cm là qui est dans le premier élément en bas là au-dessus de la self rouge. Qui permet de faire je sais plus trop quoi là, je l'ai pas en tête là, désolé, mais c'est ni plus ni moins qu'une Scooby-Doo. Hein.